Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit extrait du roman d'Hugues Pagan qui s'appelle Dernière station avant l'autoroute. Donc, Hugues Pagan est un ancien officier de police qui s'est reconverti en auteur de romans noirs et j'apprécie beaucoup son style. C'est notre propre douleur, au fond, qui nous protège le mieux contre les pièges et les tentations de la vie, contre nos lâches ambitions de bonheur. Nos tristes et déraisonnables envies de durer. Durer, d'ailleurs, c'est seulement la viande qui le veut. L'âme, il y a bien longtemps déjà qu'elle a décroché, qu'elle a dévalé en pente douce, sur la pointe des pieds, le mince chemin de la vie, qu'elle s'est perdue de trop de souffrance et d'amertume, de trop de clairvoyance surtout, de tristesse. Rien de plus triste qu'une âme égarée. La mienne, je l'ai paumée à force de trop de morts, de nuits blanches, et de café. Elle en a eu assez de ce que je lui faisais voir. Elle est partie de son côté et moi du mien. Je ne peux pas lui en vouloir. C'était pas une vie pour elle, dans le fond. C'est infiniment plus vulnérable et fragile qu'on le croit, une âme. Ça a besoin de beaucoup de douceur et de prévenance. Et c'est seulement quand on ne l'a plus qu'on s'en rend compte. Quand il n'y a plus rien à faire que verser dans le fossé et attendre qu'on ferme. À très bientôt.